Bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, alors, on est lundi matin. J'ai eu un peu du mal à me lever ce matin. Je me suis couchée un peu trop tard hier soir avec ma série. Voilà. Et du coup, c'est un peu dur. Donc, je suis toujours en pyjama. Je suis montée bosser en pyjama parce que je me suis dit que j'allais me laver après parce que j'avais pas mal de choses à faire. J'essaie d'adopter une routine pour tenir la maison aussi le matin, donc aussi quand je me lève, je m'occupe d'Ella. Je mets une machine, je ramasse le linge, j'étends le linge, enfin j'essaie de faire le linge, de ranger sa chambre, de ranger les vêtements, de tout, pour que j'ai plus ça à faire dans la journée. Donc, du coup j'ai fait ça ce matin et j'ai pas encore pris ma douche. Bref, c'est pas grave, je la prendrai plus tard. Là je me mets sur l'ordi, j'allume l'ordi, il y a une mise à jour qui dure je ne sais pas combien de temps. Donc c'est le genre de truc, et là ok. C'est pas le moment, mec, hein, de faire une mise à jour maintenant. J'ai besoin de démarrer ma journée. Il faut aussi que je range ce bureau un jour, à un moment donné. Et puis, il faut que j'enlève ce sapin. Que j'enlève aussi ce sapin-là. Que je mette les rideaux. Enfin, il faut que je fasse tous les trucs que j'ai pas fait, là, depuis le début d'année. Et qui commencent à être un peu craignos, quoi. C'est bon, on va pas garder le sapin jusqu'en février. Je vais pas rester sans rideau toute ma vie. Enfin, il y a des trucs qu'il faut qu'on le fasse, quoi. Bon, et là est au lit. C'est l'heure de la sieste, on a bien mangé. J'ai remangé du gratin que Nico avait fait hier. Vous savez, boulgour, potiron, fruits secs, etc. C'était hyper bon. Et là, j'en ai remangé à midi, je l'ai terminé. Franchement, c'est hyper bon cette recette. Je dirais qu'il vous la partage peut-être en story ou un truc dans le genre, il la refera. Je suis pas maquillée, je me maquillerai plus tard. Donc Ella est au lit, j'ai très très bien avancé ce matin, je suis contente pour un lundi. Lundi productif, ça c'est... On commence bien la semaine. Cette semaine doit être hyper productive de toute façon parce que bah, il faut que j'avance sur plein de trucs et j'ai envie d'avancer sur plein de trucs à la maison aussi. Donc c'est bien, je suis très motivée. Il faut que j'hydrate mes lèvres par contre parce que là, je suis en souffrance. Et donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre à jour mon bullet journal parce que... Ben, il faut que je fasse tout mon planning de la semaine et que je planifie tout, donc là je vais faire ça et je vais vous tourner la vidéo je pense demain sur le bullet journal. Et il faut aussi que je travaille sur la nouvelle collection absolument là maintenant parce que je suis très en retard. Et puis je suis très contente d'être rentrée à la maison là franchement pour quelques temps parce que bah, il faut que j'avance sur le boulot aussi, donc au bout d'un moment on peut pas être tout le temps à droite à gauche. J'aime faire un thé et je veux me mettre au travail ici parce que quand elle a fait la sieste et que ma belle-mère part, forcément je dois rester en bas. Je peux pas remonter dans mon bureau, je vais pas laisser là toute seule en bas. Tu fais tomber ta boule à thé remplie de thé avant de l'avoir fermée. Boulet for life, c'est bon. Coucou. Poussez-vous les vaches. Il y a une oule là-bas. On se pousse les vaches. On se pousse les vaches. Oh, le petit veau, il est trop mignon. Il est trop mignon, mais il se pousse pas lui, hein. Allez. Des médicaments pour papa. On allait chercher les médicaments pour papa. Oui, pour les oreilles. Pour les oreilles, et puis on allait à la poste aussi, toutes les deux. Et là, elle a pas de couche. C'était cool, hein. Elle est là, papa. On va lui donner les médicaments. On va faire, elle est là. On va enlever les bouts parce que là, c'est plus Noël. C'est plus Noël. Ça y est. On enlève le sapin. On dit quoi? Alléluia. Alléluia. On enlève le sapin. It's the things you do for me. Bon, le démontage du sapin avance. Et il y a Sabine qui est là. Et Bib. Sabine, Mona et Bib qui sont passés nous voir. Boire un café. Ils ont perdu, c'est toi. Du coup, on fait la pause. Nicolas est en train de trier. Il est en plein tri de tous les tiroirs du salon. C'est bien. Bon, ouais. Là, je disais à Nico que je me suis posée un petit peu. Bon, aujourd'hui, c'est un no make-up day. On va peut-être clairement pas faire attention. Souvent, c'est heure... marches, contre, parce que je suis sourd. Ouais, Nico est sourd. Il a, du coup, il a vu un médecin. Il est allé aujourd'hui voir un médecin. Il a, c'est à cause de l'avion en fait. Il avait une sinusite, son tympan s'est percé, c'est ça? Ouais, c'est légèrement percé. C'est légèrement percé. Il a saigné son tympan, enfin un truc de ouf. Donc c'est même pas une otite. Enfin, c'est dû à l'avion quoi. Ouais. Donc je disais que souvent à cette heure-là,
j'ai une montée de stress, d'angoisse. Et j'ai besoin de me mettre au calme, genre 10 minutes, souffler, je commence à avoir mal à la tête, je me pose et ça part. Mais c'est parce que souvent, bah, ça coïncide avec l'heure à laquelle elle est là, elle est plus énervée dans la journée. Elle a l'air en crise, elle est à fond. Ah ouais, elle est à fond, elle crie, elle fait beaucoup de bruit et tout. Et c'est souvent l'heure où j'ai plein de trucs à faire à la maison et tout. Et ça m'arrive souvent. Donc là, je me suis posée un peu. Ça te parle cette odeur hein? Nico, il a cuisiné indien pour moi. Ouais, mais avec vraiment ce qu'on avait à la maison. Ouais, bah on va acheter de la pâte de curry. Ouais, on va acheter. J'ai pas mis de crème. On va acheter un peu tout ce qu'il faut pour cuisiner indien parce que j'aime tellement ça qu'en ce moment j'ai envie de manger indien. Donc voilà. On va manger, j'ai trop faim maintenant. Je vais mettre la table et puis on va manger. Nico, il dit que j'ai un problème parce que je fais toujours que courir dans la maison. Je sais pas si vous faites ça chez vous. Genre, je suis comme ça. Tout le temps. La maison. Et du coup après Serge il dit oui j'entends Ella qui court et tout dans la maison, mais en fait c'est pas Ella, c'est moi. Du coup voilà, c'était ma petite petit partage. Je suis un peu pauvre fille là dans mon, faut que j'achète un nouveau nouvelle robe de chambre quand même, parce que je trouve que celle là me fait un peu de la peine. Je disais, il est 23h, je vais arrêter de travailler parce que j'ai plus d'inspiration là. Je suis en train de faire travailler sur la nouvelle collection pour ma boutique et il arrive une heure où je n'ai plus d'inspiration, donc je pense que je vais me lever tôt demain et que je regarderai, enfin que là je vais regarder ma série là, Orange is the New Black, que j'aime beaucoup, et demain je vais me lever tôt parce que de bon matin comme ça j'ai souvent de l'inspiration qui émane de moi. Nico il est toujours en tenue de travail, il est, tu te mets jamais à l'aise toi, t'es pas comme moi hein. Mais lui il regarde pas la série avec moi. Ouais, je sais pas trop chaud. Oh, t'as pas trop regardé en fait. J'ai regardé, quasiment si. Bah t'étais sur ton téléphone et tout. Bon, je vais me coucher. Cette série est top, mais enfin top pour les adultes hein. Je tiens à dire qu'elle interdit au moins de 16 ans. Attention les enfants, ne regarde pas, c'est un peu trop violent. Par contre, ce qui est moins top, c'est qu'il est 1h du matin, que je me couche beaucoup trop tard. Genre de truc que tu regardes et je suis à t'arrêter. Donc là, il est temps d'aller se coucher. Donc je vais vous laisser ici. Aujourd'hui, on a fait la deuxième sortie du coup sans couche. C'est très bien passé aussi. Demain, on va tenter la sortie un peu plus longue. Ça fait bizarre hein, qu'elle soit propre. Ça fait vraiment le passage petite fille quoi. Maintenant elle est autonome, en plus elle y va toute seule et tout. Enfin, genre, je sers plus à rien. C'est bizarre, franchement, c'est trop bizarre. Mais bon, c'est cool, c'est quand même pratique. J'avoue que je pensais pas que ce serait aussi pratique, mais voilà. Par contre, il est vraiment temps que je refasse ma couleur. Parce que là, quand j'ai les cheveux attachés, on dirait que. Enfin, on voit le brun qui réapparaît. Je vais essayer de l'acheter demain, je pense. Je vais la faire cette semaine. Je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter. Je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça. À le liker et à vous abonner. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao !